Merci Alain. Moi, ma conférence s'intitule « Du sionisme au post-sionisme », mais enfin, peu importe, on est dans la même logique. Je commencerai par dire, et c'est un peu le sens du papier que je me suis permis de vous distribuer, qui est un droit de réponse que j'ai fait dans l'Arche, après un article particulièrement véhément de Meir Weintraeter. C'était la première fois que j'écrivais dans la revue du judaïsme français, et sans doute la dernière, puisque cette revue a été suspendue depuis. Et je voudrais démarrer par la même idée que je traite dans cet article, c'est qu'au cœur de la propagande israélienne et pro-israélienne, il y a un raisonnement en forme d'escroquerie qui consiste à dire que quiconque critique la politique d'Israël serait antisioniste, donc antisémite. Ce glissement sémantique, sans fondement, disqualifie, je crois, ses auteurs, à la fois politiquement, intellectuellement, mais aussi moralement. Et il y a pire, c'est que ce raisonnement banalise l'antisémitisme, parce qu'il tente aussi de faire oublier que le facteur majeur de la colère d'une partie des opinions, mais d'une partie grandissante, contre Israël, l'isolement, c'est un point de débat entre Alain et moi, peut-être on y viendra dans l'après-midi, qui me semble être celui du gouvernement israélien aujourd'hui, sur la scène internationale, mais aussi dans les opinions, c'est essentiellement du fait de sa propre politique, de la politique du gouvernement le plus extrémiste de l'histoire de ce pays. Et le glissement des uns, il faut y être attentif, justifie un glissement inverse qui est tout aussi inacceptable. Si la politique d'Israël découlait mécaniquement de l'idéologie sioniste et devait être imputée non pas au gouvernement d'un État, mais au mouvement sioniste et donc aux Juifs qui en sont les porteurs, vous voyez où ça nous emmènerait. Et quand Benjamin Netanyahou exige des Palestiniens et du monde arabe et de la communauté internationale qu'ils reconnaissent le caractère juif de l'État d'Israël, même plus aujourd'hui, qu'ils reconnaissent que l'État d'Israël est l'État du peuple juif, on boucle la boucle. On est dans quelque chose qui est extrêmement dangereux par les conséquences que cela peut avoir, notamment dans des opinions qui ne sont pas forcément au fait des détails de tous ces, toutes ces arguties idéologiques. Je veux donc être clair d'emblée, en disant que quand Richard Prasquier, le président du Conseil représentatif des institutions juives, en plein massacre de Gaza pendant l'hiver 2008-2009, affirme dans une interview au Figaro « 95% des juifs français soutiennent l'offensive d'Israël à Gaza », il ne profère pas seulement un mensonge, parce que ça n'est pas vrai, mais il prend le risque de faire porter sur les juifs de France, la colère de ceux qui, à juste titre, considèrent l'opération Plan Durci comme ce que le rapport Goldstone, avant que Goldstone ne change lui-même d'avis, mais son rapport demeure, un crime contre, crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. C'est vrai que, on ne peut pas le nier, c'est un fait, mais c'est un fait marginal. Certains dissimulent leur haine des juifs, leur anti-judaïsme ou leur antisémitisme, il faudrait faire des nuances là-dedans, derrière une forme d'antisionisme exacerbé, et comparent par exemple le sort des Palestiniens avec celui des victimes du génocide nazi. Mais on en vient du coup à réduire la portée même du génocide nazi quand on fait ce type de comparaison. Il y a d'ailleurs un exemple célèbre, je veux le citer puisqu'il est récent, de ce genre de dérive avec une interview donnée par un écrivain, je mets des guillemets, israélien qui s'appelle Gilad Atzmon et qui vit d'ailleurs à l'étranger, et qui, dans un site connu pour publier souvent des textes négationnistes ou proches des thèses négationnistes, qui est le site de Sylvia Katori, dans cette interview, Gilad Atzmon
fait un texte particulièrement révélateur où, je résume, pour lui, le problème, ce ne sont pas les dirigeants israéliens, ni même les Israéliens, ni même le mouvement sioniste, mais les Juifs, le judaïsme et même la religion juive. Et même dans son texte, les Juifs anti-sionistes ne trouvent pas grâce à ses yeux. Il explique, je cite, « Contrairement aux sionistes qui agissent ouvertement, les Juifs anti-sionistes travaillent au même but, mais de manière clandestine. » Et malheureusement, ce genre de littérature trouve toujours, ici ou là, pour des raisons très diverses, je crois, des avocats, en l'occurrence, un intellectuel belge autrefois mieux inspiré, qui s'appelle Jean Bricmont, a fait un texte de défense de Gilad Atzmon, qui a beaucoup surpris, et en particulier ses amis, notamment en Belgique. Je crois donc qu'il est temps, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, de dissiper une confusion volontaire, entretenue et depuis longtemps, par les inconditionnels de Netanyahou, de Lieberman, de Barak. Depuis, ce sera une idée force de cet exposé, depuis le 14 mai 1948, le mouvement sioniste a atteint son principal objectif. Il y a un État d'Israël qui existe. Et donc, sans sous-estimer l'importance de la question de l'histoire du sionisme et des débats auxquels il doit donner lieu et des recherches qu'il mérite chez les chercheurs, les historiens, etc. Mais sur le plan politique, à partir du moment où existe un État d'Israël qui se veut État juif, comme il faut emballer ça, on dit État juif et démocratique, mais vous voyez bien qu'il y a, comme disait le sous-commandant Max Marcos, un oxymoron, parce que si l'État est juif lorsque sa population, admettons, n'est plus majoritairement juive, comment peut-il rester juif tout en étant démocratique? On voit bien qu'il y a un problème de logique, ce que Marcos appelait un oxymoron. C'est un des apports principaux, je crois, de Marcos à la pensée. Pour le reste, Chirpas, malheureusement, enfin, passe. C'est un autre sujet. Donc le débat politique, à partir du moment où existe l'État d'Israël, il porte, ou il devrait porter, sur la politique intérieure, extérieure de cet État, comme de tous les autres États, sur laquelle tout un chacun, y compris vous et moi ici, et Alain, avons le droit de porter jugement, de critiquer, voire de condamner, comme on le fait de la politique de n'importe quel État. Et ce, sur la base de critères universels, à commencer par ceux du droit international. Y voir dans cette critique légitime, ou non d'ailleurs, de l'antisionisme, équivalent à de l'antisémitisme, est une offense contre l'intelligence, contre la vérité, contre la raison. D'ailleurs, réfléchissez-y, parce que c'est un point, moi, qui me tient à cœur. Depuis quand les partisans d'une idéologie, quelle qu'elle soit, se permettrait-il de dire « nous avons cette idéologie, nous la défendons et vous n'avez pas le droit de la critiquer ». Est-ce qu'on imagine des communistes dire « vous n'avez pas le droit de critiquer le communisme » ou des gaullistes, si ça existe encore, dire « vous n'avez pas le droit de critiquer les gaullistes » ou des islamistes, encore faudrait-il savoir de quel type de force on parle, dire « vous n'avez pas le droit de critiquer l'islam ». Il y a là quelque chose d'absurde, qui n'a aucun sens dans l'histoire de la pensée. Bref, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de polémiques sur le sionisme sont, sur le plan politique, très largement obsolètes. Le vrai débat, je le répète, porte moins sur le mouvement politique et idéologique apparu il y a 115 ans et qui a donné naissance au terme de décennies et de décennies de combat politique à l'État d'Israël, porte donc moins sur ce mouvement-là que sur la politique concrète des héritiers plus ou moins légitimes ou plus ou moins bâtards de cette idéologie. Raison de plus, si cela est bien clair, pour que les historiens, les chercheurs, les journalistes s'intéressent à ce mouvement
et essaye de le comprendre, d'en cerner l'histoire, le rôle, y compris le rôle encore aujourd'hui. Alors, j'aborderai successivement, aussi brièvement que possible compte tenu du temps imparti, la naissance du sionisme, ses postulats, une contestation très radicale apparue dans les dernières années, en particulier avec Shlomo Zand, les facteurs décisifs qui ont fait le succès du sionisme, un succès indiscutable puisqu'il a abouti à la création de l'État juif auquel il aspirait, le consensus sioniste, mais aussi les contradictions internes au mouvement, et je conclurai avec une évocation rapide du post-sionisme. Je rappelle pour l'information pure que le mot sionisme vient de Sion, qui est une des collines sur lesquelles a été bâtie la ville de Jérusalem, et donc ça symbolise le lien entre la terre dite promise et tous ceux qui se réclament ou se réfèrent à cette terre comme terre sur laquelle les Juifs devraient retourner. On va venir sur ce « re » de retourner. Donc la naissance du mouvement, je crois que c'est important de savoir que Theodor Herzl, qui est né en 1860 à Budapest et qui s'est installé à 18 ans, à Vienne, était très longtemps, non pas sioniste, mais assimilationniste. Plus, il pensait que la solution du problème juif en Europe se ferait par la conversion des juifs au catholicisme. Preuve en est qu'il a fait une pièce de théâtre qui est tombée dans l'oubli, et je crois qu'elle ne méritait pas d'autre sort, j'ai eu la curiosité de la lire, qui s'appelle « Le nouveau ghetto », qui date de 1894, et le personnage principal, qui s'appelle Jacob Samuel, dit « Je veux sortir du ghetto ». Et pour en sortir, il faut se convertir. 2 ans plus tard, après cette pièce, Theodor Herzl publie le livre qui s'appelle non pas l'État juif, mais l'État des Juifs. Et puis, l'été 1897, il réunit à Bâle le premier congrès sioniste mondial qui se fixe pour but, je cite, « d'obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement ». Pourquoi est-ce que Herzl change d'avis du conversionnisme au sionisme? Herzl sait évidemment, comme tous les intellectuels de l'époque, qu'il y a dans l'Empire tsariste des masses juives extrêmement misérables. Si vous voulez avoir une idée du niveau de cette misère, je vous conseille la lecture du livre « Le juif errant est arrivé » d'Albert Londres, qui a été réédité en livre de poche. Il est très indicatif du niveau de cette misère, mais aussi, non seulement des discriminations, de la misère, etc., mais des pogroms qui se multiplient à cette période. Pogrom, c'est un mot qui vient du verbe russe pogromitch, qui veut dire simplement détruire. Et ces pogroms sont alimentés par la propagande tsariste. Comme vous le savez sans doute, le fameux protocole des sages de Sion est un faux écrit par des agents de l'Okhrana, la police tsariste. Mais ce qui se passait en Russie ou en Pologne n'était pas la préoccupation principale de Herzl. La préoccupation principale de Herzl, c'est que le hasard fait qu'il est envoyé par son journal autrichien à Paris au moment où se déclenche l'affaire Dreyfus. Or, elle se déclenche dans le pays qui, le premier, au moment de la Révolution française, a donné dans l'histoire l'égalité en droit aux juifs comme à tous les autres citoyens, aux juifs en tant que citoyens, pas en tant que nation ou que peuple évidemment, ou en tant que communauté comme on dit aujourd'hui. Et donc, pour ce qu'on appelle les israélites, c'est-à-dire ces juifs qui, la bourgeoisie juive, disons pour aller vite, a voulu marquer sa différence avec l'ancien terme juif en inventant un néologisme qui soit plus acceptables et qui se sont intégrés dans la société française depuis la Révolution,
pour ces Israélites, l'affaire Dreyfus est comme le signe d'un coup d'arrêt à l'émancipation des Juifs en France, mais aussi au-delà. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de le lire, un livre de Pierre Birnbaum qui s'appelle « Le moment antisémite » et qui, à partir des archives des différentes préfectures de police de Paris et de villes de province, nous montre que, contrairement à ce que beaucoup ont dit, l'affaire Dreyfus n'a pas été seulement un moment de vif débat intellectuel polémique, mais aussi un moment où la violence de la rue a été à deux doigts dans de nombreuses villes de se transformer aussi en des formes de pogroms à la française, c'est-à-dire destruction de magasins, attaques contre des juifs, etc. Donc l'affaire Dreyfus est un traumatisme, et de ce traumatisme, Herzl tire la leçon qu'il faut une autre solution du problème juif en Europe. Hein, pour lui, il n'est même pas question dans la prose de Herzl des juifs qui se trouvent dans le monde arabe ou arabo-musulman. Et donc, l'assimilationniste devient sioniste, il publie l'État des Juifs, il réunit le congrès de Bâle, et il écrit dans son journal, juste à la fin du congrès de Bâle, premier congrès sioniste mondial, je cite, « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, un rire universel serait la réponse. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde comprendra. » Il faut dire que Herzl, en l'occurrence, était visionnaire, puisque 50 ans et 9 mois après cette inscription dans son journal, l'État d'Israël a vu le jour. Alors, quels sont les postulats sur lesquels Herzl fonde sa théorie? Je crois que il faut lire un vieil auteur, mais qui est très intéressant, qui s'appelle Walter Laker, qui a fait une histoire monumentale du sionisme, et dans laquelle, tout en défendant très largement les thèses de Herzl, il dit une chose assez remarquable, je la cite, il dit « Cette foi, donc il qualifie le sionisme de foi, peut être acceptée ou rejetée, elle ne peut être que dans une mesure très limitée l'objet d'une discussion rationnelle. Le sionisme a élaboré une idéologie, mais ses prétentions scientifiques, entre guillemets, sont inévitablement peu concluantes. Et de fait, vous allez voir, les 4 postulats sionistes mériteraient chacun d'entre eux une très longue discussion, je ne vais pas ici m'y lancer. Première notion, l'idée qu'il existe un peuple juif. Évidemment, une notion fondamentale sans laquelle il n'y a pas de sionisme. Mais hormis la religion, dont tous les juifs ne sont pas d'ailleurs des fidèles, et qui de toute façon ne suffit pas à caractériser un peuple, au sens moderne du terme, quels seraient les critères unificateurs permettant de dire que les juifs forment un peuple? Ratio, inutile de dire que ça ne tient pas debout, territoriaux, linguistiques, culturel, on sait très bien que la diversité du monde juif est telle que... Bref, les principaux critères des définitions marxistes ou non marxistes d'ailleurs de ce qu'est un peuple ne se retrouvent pas remplis. Deuxième postulat, l'impossibilité de l'assimilation des juifs aux populations et aux peuples dans lesquels ils vivent ou dont ils sont partie prenante. Même après le génocide nazi, qui pourtant marque un traumatisme et une rupture historique majeure, l'assimilation, l'intégration, si vous préférez, des juifs dans les pays où ils vivent, s'est développée à nouveau. On a cette fameuse mise en garde d'un dirigeant sioniste qui s'appelait Nahum Goldman, qui était président de l'Organisation sioniste mondiale, en 1959, qui dit qu'on va vers un danger de désintégration des communautés juives, de perte de conscience d'être partie du peuple juif, et cette peur a grandi dans les dernières décennies avec la généralisation des mariages dits mixtes.
je veux dire entre juifs et non-juifs. Il faut savoir qu'au début du XXIe siècle, au moment où nous parlons aujourd'hui, 40 à 50%, voire plus dans certains pays, des juifs épousent des non-juifs. Alors dans un sens, ça ne pose pas de problème aux rabbins, mais lorsque ma mère n'est pas juive, pour les rabbins, en tout cas orthodoxes, les enfants ne sont pas. Donc le peuple juif se dissout. La question a l'air un peu, comme aurait dit l'ancien président de la République, abracadabrantesque, dites comme ça. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, un rabbin et propagandiste israélien, moderne et intelligent, qui s'appelle Dov Maimon, est venu parler de ce sujet à la Convention nationale du CRIF. Et il a dit, je le cite, « Si les Juifs qui étudient le Talmud et fréquentent les synagogues sont de plus en plus nombreux, et on ne peut que se réjouir de ce revivalisme, ils ne totalisent qu'une petite minorité des 700 000 ou 500 000 Juifs de France. » Et il poursuit, « On estime sur la base des chiffres que le nombre de Juifs qui ont un lien même ténu avec la synagogue, à savoir ceux qui viennent à la prière de la Neïla du jour de Kippour, une fois par an donc, s'élève à 160 000. On observe donc en France, plus que partout ailleurs, un phénomène de polarisation. La minorité visible ne dépasse pas 100 000 personnes et les 80% d'autres juifs ne trouvent pas leur place dans les institutions, et il entend institutions religieuses, ou représentative ou politique. Troisième postulat, qui lui aussi est évidemment plus que discutable, c'est l'idée que les juifs, le peuple juif, aurait des droits exclusifs sur la terre de Palestine. Il suffit de dire que la référence au texte sacré d'une religion sur trois, enfin des grandes religions monothéistes, et à une occupation de la Palestine parmi une douzaine d'autres à travers l'histoire, ne suffit évidemment pas à légitimer la revendication unilatérale de la Terre Sainte. Maxime Rodinson, en son temps, écrivait, je cite, « Les souffrances juives peuvent justifier peut-être l'aspiration de certains juifs à former un État indépendant, mais cela ne peut paraître aux Arabes une raison suffisante pour que cet État soit formé à leurs dépens. » D'autant que, et il faut quand même le dire, même si c'est un argument qui peut paraître un argument de propagande, mais il est vrai historiquement. Le statut des Juifs dans les pays arabo-musulmans tout au long de l'histoire, qui était un statut inférieur de zimi, mais zimi ça veut dire protection, ça ne veut pas dire discrimination. Quand vous faites, sans le rosir, le périple des Juifs dans l'Empire ottoman, par exemple, ceux, on verra avec Chomosan, d'origine, ou ceux venus d'Espagne après la reconquête d'Isabelle, la catholique, il n'y a pas photo, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le sort des Juifs en Europe. Donc, pourquoi est-ce que les Palestiniens ou le monde arabe auraient à payer pour un problème créé, et créé dans des conditions dramatiques, allant des pogroms aux ghettoisations jusqu'au génocide, en Europe, par des Européens, avec la complicité de dirigeants européens et occidentaux, américains en l'occurrence. Donc on est là quand même dans un postulat qui, avec l'histoire, est devenu visiblement, pour le moins caduc, s'il a jamais été vrai. J'ajoute que, ça m'est venu récemment dans une conférence-débat que je donnais, j'avais un brave rabbin qui m'a dit « Oui, mais dans la Genèse, on nous explique que Dieu a donné à Abraham cette terre entre les deux fleuves. » Bien, bien. Admettons que la Bible soit un livre d'histoire ou un cadastre, c'est pas évident. Mais Abraham a eu deux enfants. Et on ne peut pas considérer que le premier, même s'il est l'enfant de sa servante, aurait moins de droits à sa succession que le second, même s'il est l'enfant de sa femme à 120 ans, mais vous voyez, tout ça, y compris avec les arguments religieux convoqués pour justifier la thèse, n'est pas convaincant.
Je dirais d'ailleurs que, et c'est un point sur lequel je veux un tout petit peu insister, qu'on développe dans le livre que je viens de diriger chez Actes Sud, qui s'appelle « Palestine-Israël, un État, deux États », et qui porte sur ces questions-là, contrairement à ce que certains disent, beaucoup d'auteurs sionistes ou en marge du sionisme, à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 40, étaient, eux, parfaitement conscients que la Palestine n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ahad Aham, c'est son nom hébreu, il s'appelait Ginsberg, en 1891, écrit, je le cite, « Nous avons l'habitude de croire à l'étranger que la Palestine est une terre presque entièrement désolée, un désert non cultivé, un champ en friche où quiconque désireux d'y acheter des terrains pourrait se rendre et en acquérir à sa guise. En réalité, elle ne l'est pas. Sur toute cette terre, il est difficile de trouver un champ de terre arable non semé. » 1891. « Nous avons l'habitude, à l'étranger, de croire que les Arabes sont tous des sauvages du désert, un peuple pareil à l'âne, incapable de voir et de comprendre ce qui se passe autour d'eux. C'est une grande erreur. L'Arabe, comme tous les fils de Sem, a une intelligence aiguë et rusée. » Rusée. « Les Arabes, notamment ceux des villes, voient et comprennent le sens de nos actions, nous, juifs, en Palestine. » Mais ils se taisent. Ils affectent de ne rien savoir, car pour le moment, ils ne voient pas notre attitude comme un danger pour leur avenir. Mais le jour où la présence de notre peuple prendra une dimension telle qu'elle empiète de peu ou de beaucoup sur la position des autochtones, ce n'est pas de bon gré qu'ils nous céderont la place. Et pour citer à nouveau Robinson, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça la contradiction dans la pensée, y compris de ces sionistes critiques et d'autres, je cite, c'est que vers 1900, les projets colonisateurs n'étaient pas affectés comme aujourd'hui d'une auréole défavorable. C'est pourquoi le retour, entre guillemets, des juifs de Palestine, pour la coloniser à partir du milieu du XIXe siècle, n'a choqué personne en Occident. Outre l'intérêt que l'Occident pouvait y trouver. Alors, est-ce qu'il s'agit, j'ai employé le mot à plusieurs reprises, de retour, puisque c'est ça la base même de l'idéologie sioniste, c'est le retour des Juifs vers la terre qui était la leur. Shlomo Zand, sans dire que son livre résout toutes les questions, il y a même des questions qu'il pose et peut-être que ses réponses ne sont pas convaincantes, mais Shlomo Zand a quand même dans son livre, qui est paru en livre de poche, je vous le signale pour ceux qui veulent l'acquérir aujourd'hui, et qui s'est vendu, mine de rien, à 80 000 exemplaires en France, il a joué un grand rôle dans la déconstruction des mythes qui justifiaient les thèses sionistes encore aujourd'hui. Je résume le récit sioniste des historiens sionistes élaboré au XIXe siècle. C'est un récit qui n'est pas ancien. Les Romains ont occupé la Palestine. Le second temple a été détruit en 72 après Jésus-Christ. La dernière révolte juive, celle de Bar Korba, est écrasée en 132 après Jésus-Christ. Les Romains expulsent les Juifs en masse, qui se dispersent, d'où le mot diaspora, à travers les peuples. Ils y sont persécutés. Le génocide se produit et donc il y a le droit au retour, codifié par la Knesset, c'est une des premières lois fondamentales, puisqu'il n'y a pas de constitution en Israël, mais des lois fondamentales, c'est la loi du retour, 1950. Le même retour, je le dis pour mémoire, refusé aux 800 000 Palestiniens expulsés pendant la guerre de 1947-1949. Shlomo Zand sape les bases mêmes de ce roman à partir d'une documentation extrêmement riche, même si elle comporte un certain nombre d'éléments discutables. Hein. Je ne suis pas un défenseur du livre de Shlomo Zand de A à Z, mais il y a dans la démarche quelque chose qu'il faut retenir. D'abord, les Romains n'ont jamais expulsé aucun peuple qu'ils ont occupé. Pourquoi auraient-ils expulsé celui-là? Il n'y a pas. Deuxièmement,
Les attitudes des populations juives ou hébraïques, si vous voulez, en Palestine, ont été très diverses au moment de l'occupation romaine. Il y a eu des résistants qui ont été jusqu'à l'extrémisme des sicaires, jusqu'à Massada, le suicide de masse, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui étaient des collabos, au sens moderne du terme, y compris Flavius Joseph, celui qui a fait l'histoire de la guerre des Juifs, et puis surtout une masse de gens, la grande masse qui a fait avec, et qui, contrairement à la thèse sioniste, sont restés. Et souvent, beaucoup d'entre eux, la majorité, se sont convertis au christianisme, plus tard à l'islam, quand l'islam est arrivé. Et même du point de vue démographique, la thèse de la diaspora, nous montre Shlomo Zand, ne tient pas debout. Il y avait à l'époque 500 000 Hébreux, quand bien même ils seraient tous partis, et quand bien même tous auraient eu une activité, comment dire, procréative intense, très très intense, comment expliquer qu'en deux siècles, on retrouve entre 5 et 6 millions de Juifs dans la Méditerranée? Impossible. Donc, pour l'essentiel, sans nier qu'il y ait eu des phénomènes de départ d'une partie des populations juives, des élites, l'essentiel du peuplement juif de la Méditerranée, plus tard ailleurs, il a été et s'est établi aujourd'hui le fruit de conversion. Conversion de populations berbères, en particulier dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, de populations animistes, souvent, ailleurs. Conversion dans le sud de la Russie, dans le Caucase, c'est la fameuse histoire véridique avec des aspects romancés des Khazars, etc., etc. La grande, l'immense majorité des Hébreux reste en Palestine, la plupart d'entre eux se convertissent, et il reste un certain nombre de communautés juives attachées à leur religion. Mais en 1850, quand commence, non pas encore l'immigration sioniste, mais l'immigration juive, organisée par Rothschild, etc., vous avez en Palestine moins de 40 000 fidèles juifs face à 500 000 au bas mot palestiniens. Donc, vous le voyez, je m'arrête là-dessus, la thèse du retour est une thèse dont il ne reste rien une fois qu'on a lu le livre de Shlomo Zand. Et j'ai pris le soin de lire tout ce qui s'est écrit, en tout cas dans les langues que je maîtrise, contre le livre de Shlomo Zand. Je dois dire qu'autant il y a des points de débat qui méritent d'être approfondis, autant aucun des détracteurs de Shlomo Zand n'a apporté une contre-explication globale d'un récit cohérent, différent de celui que Shlomo Zand met sur pied. J'en viens maintenant à la question de savoir pourquoi le mouvement sioniste, qui au départ est très marginal, a réussi. Je crois, en schématisant un tout petit peu, qu'il y a deux raisons essentielles. La première, c'est l'appui de la Grande-Bretagne. On ne peut pas comprendre l'avenir du sionisme à partir de 1917 sans s'arrêter sur ce point. Herzl a fait tout ce qu'il pouvait pour trouver un soutien international à son projet d'État des Juifs. Il a vu tout ce que le monde comptait de personnages influents. Il a vu le Kaiser, il a vu le sultan ottoman, il a vu le pape, il a fait le tour de toutes les autorités en vain. Et c'est son successeur, plutôt un de ses successeurs, Chaim Weizmann, qui va convaincre les Britanniques d'endosser, avant même qu'ils aient le mandat qui leur est confié par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, au moment de la déclaration Balfour, en novembre 1917, d'endosser le projet, non pas d'État des Juifs, mais de foyer national juif en Palestine. Inutile de vous dire que les Britanniques n'agissent pas par empathie particulière à l'égard des Juifs ou par philanthropie, mais parce qu'ils y voient leur intérêt. À l'époque, les Britanniques ont parfaitement conscience des objectifs du mouvement sioniste,
Et d'ailleurs, au tel, tel titre que Lord de Curzon, qui est le, Curzon, qui est le successeur de Balfour, va écrire, je le cite, « Pendant que Weizmann vous dit une chose et que vous pensez foyer national juif, il a en vue quelque chose de très différent. Il envisage un État juif et une population arabe soumise, gouvernée par les juifs. Il cherche à réaliser cela derrière l'écran et la protection de la garantie britannique. » Vous voyez donc, pas d'illusion dans l'establishment du Royaume-Uni. Et c'est vrai, quand on y regarde de près, que grâce au mandat confié par la Société des Nations au Royaume-Uni, la communauté juive de Palestine, ce qu'on appelle le Yishuv, va devenir quasiment un État dans l'État. Je ne veux pas vous aboutir de chiffres, ça n'a pas d'intérêt, mais quand même. Entre 1917 et 1948, les Juifs passent de 10% à 30% de la population de la Palestine. Leur superficie agricole a été multipliée par 3. Leur indice de production industrielle par 50. Et c'est très important de le comprendre parce que c'est un processus qu'on va voir se poursuivre ensuite. Il y a, de la part du mouvement sioniste en Palestine, ce qu'on a appelé la bataille du travail juif, c'est-à-dire le remplacement systématique dans les institutions agricoles, kibbutz, moshav, etc., mais aussi dans l'ensemble des services publics, de l'industrie, etc., de la main-d'œuvre arabe, palestinienne, par une main-d'œuvre juive. Et quand les sionistes ne trouvent pas de main-d'œuvre juive ashkénaze, européenne, acceptant de faire le travail des fellahs pour le prix, ou à peu près des fellahs, ils vont, dès cette époque, chercher des juifs dans le monde arabe, notamment yéménite, pour servir d'arabes juifs. Donc c'est une main-d'œuvre juive, mais qui accepte de travailler comme des arabes, dans les mêmes conditions, ou presque, d'exploitation. Le Yishuv n'est pas seulement une réalité économique. Il y a une nation juive palestinienne en formation dans les années 20, 30 et 40, avec une langue unifiée, l'hébreu moderne, des services publics, un embryon d'armée, la Haganah, qui d'ailleurs va aider les Britanniques à réprimer toutes les révoltes palestiniennes, révolte après révolte, qui donc n'est pas du tout, comme on dit, clandestine, elle est formée par les Britanniques, encadrée par les Britanniques, très largement. Il y a l'ensemble des organisations, il n'y a pas que la Haganah, il y a le Palmar, socialiste, mais qui sera à l'avant-garde de la guerre de 48. Il y a les milices d'extrême droite, à l'époque surtout l'Irgun, créé par Zev Jabotinsky. Et puis il y a des institutions, parce que, et ça c'est une constante de l'histoire de ce conflit, au fur et à mesure que les Arabes palestiniens boycottent toutes les institutions mandataires britanniques, les Juifs, eux, les sionistes, les occupent. Donc, la communauté juive de Palestine se dote d'un conseil national, le Va'ad Lehoumi, qui est élu au suffrage universel par les Juifs de Palestine, et se dote, comme vous le savez, d'une agence qu'on appellera l'agence juive, qui figure dans les statuts du mandat de Palestine, alors que les Palestiniens refusent d'avoir un organisme de ce type qui lui aussi était prévu. Bref, le Yishuv va petit à petit se transformer en un État auquel il ne manque que la qualification d'État. Le second facteur qui va permettre la victoire du sionisme, c'est évidemment le génocide. Et je crois que toute sous-estimation de ce facteur empêche la compréhension de ce qui s'est passé. D'abord, la montée du nazisme, avant même qu'il n'arrive au pouvoir, va accélérer l'immigration juive en Palestine. Entre 1932 et 1939, il y a
247 000 juifs qui arrivent en Palestine. Soit 30 000 par an, c'est-à-dire 4 fois plus que depuis la Première Guerre mondiale. Et ça n'est pas seulement un choix, fuite face aux persécutions. C'est aussi le résultat d'un accord, dit accord de Ha'avara, H-A-V-A-R-A, qui est signé par l'Organisation sioniste mondiale en août 1933 avec le gouvernement du Troisième Reich, et qui prévoit que, contrairement aux autres juifs qu'à l'époque les nazis veulent surtout expulser d'Allemagne, puis d'Autriche, les juifs qui accepteraient d'aller en Palestine pourraient le faire en récupérant en Palestine, sous forme de produits allemands vendus là-bas, une partie des biens dont ils avaient été spoliés par le nazisme en Allemagne. C'est un facteur non négligeable de l'immigration, non pas seulement en général, mais d'une catégorie nouvelle pour la Palestine, c'est-à-dire de juifs de la petite, moyenne et grande bourgeoisie allemande qui ont ce statut social ensuite en Palestine et forment d'ailleurs la base politique de la droite et de l'extrême droite sioniste Jabotinskis là-bas. Il n'empêche que, à cette époque, notez-le au passage, le Yishuv reste très marginal dans l'ensemble des juifs du monde. En 1939, il y a 429 605 juifs en Palestine sur 18 millions de juifs dans le monde, donc moins de 2%. L'idéologie donc et la pratique juive sont ultra minoritaires parmi les juifs du monde. Mais le génocide va bouleverser la situation dans la mesure où les juifs forment le seul groupe que les nazis aient voulu exterminer jusqu'au dernier pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça n'est pas la seule cible, pas ici déborder sur d'autres sujets, mais l'entreprise nazie a pour but de coloniser et de germaniser l'ensemble de l'Europe centrale et orientale conçue comme la base de l'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne sur l'Europe et éventuellement sur le monde. Et cette stratégie passe par l'extermination de tout ce qu'ils appellent des Untermenschen, des bouches inutiles, que ce soit des juifs, objet central de par l'idéologie antisémite des nazis, que ce soit des tziganes, que ce soit des malades mentaux, que ce soit l'élite, l'intelligentsia polonaise, que ce soit globalement les soviétiques, 28 millions de morts quand même, d'après les statistiques actualisées. Bref, il n'empêche que le caractère très spécifique de l'extermination des juifs, et pas seulement le nombre, cette volonté d'extermination jusqu'au dernier, va bouleverser le monde, d'autant plus qu'une partie de ce monde a été complice actif ou passif de ce génocide. Et par conséquent, le mouvement sioniste y tire une légitimité qu'il n'avait absolument pas avant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous citer, je multiplie par les citations, une phrase que dit David Ben-Gourion, le futur Premier ministre et ministre de la Défense de l'État d'Israël en 1948, quand il témoigne devant l'UNSCOP, la commission envoyée par l'ONU avant le partage de 1947, du 29 novembre 1947. L'UNSCOP vient en Palestine en juillet 1947 et écoute ceux qui lui parlent. Les Palestiniens ne lui parlent pas. Tous les sionistes de toutes les tendances lui parlent. Et Ben-Gourion dit « Qui veut et peut garantir que ce qui nous est arrivé en Europe ne se reproduira pas? La conscience humaine peut-elle se libérer de toute responsabilité dans cette catastrophe? Il n'y a qu'une sauvegarde, une patrie et un État. » Et il ajoute « Nous sommes prêts à considérer la question d'un État juif sur une partie significative de la Palestine, tout en réaffirmant notre droit sur toute la Palestine. » Et les opinions occidentales, pour les raisons que j'ai dites, suivent, d'une part parce qu'elles ignorent tout, ou presque, du peuple palestinien,
Il faut lire la presse française de 1948. Il y a un magnifique livre de Mathieu Bouchard qui montre que le mot même d'arabe palestinien est inconnu. On parle des réactionnaires arabes. Toute la presse française célèbre en 1948 les glorieux, héroïques combattants de la Haganah. Il y a un meeting au Veldiv, organisé par le Parti communiste français, où les dirigeants communistes qui s'expriment parlent dans une même phrase des jeunes Komsomol héroïques de l'Union soviétique, des jeunes du Viet Minh héroïques et des jeunes de la Haganah héroïque. On est vraiment dans une unanimité qui va porter à la réussite du sionisme, y compris à sa victoire dans la guerre de 1947-1949. Autre élément important qu'on oublie souvent, le génocide crée un problème concret. Il y a entre 4 et 500 000 survivants qui se trouvent pour la plupart dans les mêmes camps où ils avaient été déportés. Ce ne sont plus des SS qui les gardent, mais des soldats alliés, américains, anglais, français, et personne n'en veut. Pas de visa américain, pas de visa britannique, quelques visas français, mais très peu. Les sionistes trouvent là un terreau extraordinairement favorable. Ils disent à ces gens, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer d'où vous venez, parce qu'en Pologne, quand les Juifs rentrent et réclament leurs biens, leur appartement, leur commerce, il y a de nouveaux pogroms. On sait aujourd'hui avec les archives qu'il y a eu non pas un, mais des dizaines de petits pogroms lorsque les Juifs rentraient. Donc évidemment, le désir de retourner s'est très vite ralenti. Pas d'issue en Occident, donc voilà, reconstruisez votre vie avec nous dans l'État juif que nous allons créer en Palestine. C'était un argument extrêmement fort, et cet argument pèse dans la manière dont l'agent juif mène bataille auprès des Britanniques, des Américains, avant le partage de 1949. J'en viens maintenant, sans transition, à l'idée du consensus et des contradictions. Parce que jusque-là, j'ai parlé, sauf au moment où j'évoquais Achad Ha'am, du sionisme comme une espèce de bloc. Ça ne peut pas être considéré comme tel. Il y a d'abord une réalité, alors qu'ignorent tous ceux qui disent anti-sionisme égale antisémitisme, c'est que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le sionisme est un courant minoritaire dans les communautés juives, où qu'elles soient. Les juifs sont d'abord, avant la Seconde Guerre mondiale, communistes, bundistes, libéraux, orthodoxes, donc hostiles à l'idée d'État juif, parce que l'État juif ne viendra que si le Messie, pas si, excusez-moi, un blasphème, quand le Messie viendra, les sionistes sont minoritaires. Et c'est seulement après la guerre et après le génocide, non pas qu'ils deviennent majoritaires, il faudra encore du temps, mais que leur thèse, leur stratégie, gagnent des soutiens en masse. D'autre part, et c'est important aussi, le sionisme a toujours connu de très grands débats internes. Ça commence avec les échecs dont j'ai parlé de Herzl auprès de différents interlocuteurs puissants de l'époque, qui amènent le mouvement sioniste à dire « si on ne peut pas aller en Palestine, pourquoi pas en Ouganda, pourquoi pas en Argentine ?» Vrai débat, pas du tout secondaire. On aurait pu avoir un État juif en Ouganda ou en Argentine. Je ne sais pas quelles conséquences ça aurait eu. Mais... Autre débat dans les années 20 et 30, le débat entre le sionisme socialiste, incarné par Ben-Gourion, et qui est la force la plus importante en Palestine, dans la communauté juive, et le sionisme dit révisionniste, celui de Zev Jabotinsky. Alors, on n'ose pas dire aujourd'hui qu'il était fasciste, parce que le mot, Alain et moi, on peut témoigner devant vous, on ne citera pas l'éditeur, ce ne serait pas gentil, mais d'un éditeur qui a publié un de nos livres communs, et qui ne voulait pas qu'on mette le mot fasciste. Mais il n'empêche que Zev Jabotinsky était fasciste, pas nazi, fasciste, qu'il était accueilli par Mussolini en Italie,
que l'école de cadre de Civitavecchia leur avait été donnée par Mussolini, qu'ils avaient une radio à Bari, dans le sud de l'Italie, qui diffusait sur tout le Moyen-Orient, les liens entre le fascisme mussolinien et le mouvement sioniste dit révisionniste de Jabotinsky étaient extrêmement étroits, et même d'ailleurs l'accoutrement des jeunes du Bétard, le Bétard je veux dire, de l'époque, était un peu moins folklorique que celui d'aujourd'hui, c'était le même. On avait des chemises brunes, ou des chemises noires, mais voilà. Vous retrouvez au fond ce dialogue-là, ou plutôt ce conflit-là, dans toute l'histoire du mouvement sioniste. Et vous l'avez, notamment, à partir du moment où ce ne sont plus les sionistes socialistes, ou dits-ils, qui dirigent Israël, mais la droite sioniste qui prend le pouvoir en 1977. Je ne veux pas dire me lancer dans une analyse des raisons de cette victoire, mais elle a beaucoup à voir avec le sort réservé aux Juifs venus des pays arabes, dont la rancœur, c'est un euphémisme à l'égard du pouvoir travailliste, était telle que ça les a amenés à basculer aux 4/5 derrière Menachem Begin, Yitzhak Shamir et le Likoud en 1977. Donc, si vous voulez, vous avez, à l'époque, un véritable débat, et qu'on retrouve au moment d'Oslo. Aujourd'hui, il est de mode de jeter l'enfant Oslo avec l'eau du bain. Pourquoi pas ? Et enfin, Rabin a été assassiné. C'est très difficile de construire l'histoire sans tenir compte de l'assassinat de Rabin. C'est vrai que Rabin était Rabin dans son histoire personnelle. Il a fait l'expulsion de Lod et de Ramelé le 12 juillet 1948. 75 000 Palestiniens, 10% d'exode total, de l'expulsion totale. Il a été le chef d'état-major de la guerre de 67. Il a été celui qui a dirigé la répression de l'intifada, Break the Bones, la première intifada, cassez-leur les os. Et il a changé. Il a été le premier dirigeant israélien qui a été jusqu'au bout de la logique consistant à dire l'avenir d'Israël, il est dans la construction d'une paix avec un État palestinien plus ou moins indépendant à ses côtés. Bref, il n'empêche que ce débat-là, malgré le consensus fondamental dont Ehud Barak est l'expression la plus aboutie, consensus entre la droite et la gauche sioniste autour de l'essentiel, il n'empêche que ces débats existent et que le durcissement de la politique israélienne dans les dernières années, en particulier avec le gouvernement issu des élections de 2009, pose la question des formes dans lesquelles ce débat-là pourrait renaître. Et est-ce qu'il renaîtrait à l'intérieur du mouvement sioniste ou entre sionistes et post-sionistes? Je voudrais juste conclure là-dessus en disant que on se trouve devant une société israélienne qui est arrivée au bout d'une certaine logique du sionisme. Le post-sionisme dont on parle, c'est évidemment un concept flou, mais ce sont aussi des écoles de pensée très concrètes. Ce sont les nouveaux historiens israéliens qui ont réécrit très largement l'histoire d'Israël, et notamment celle de 1948. J'y ai consacré moi-même un livre de synthèse qui montre que pour l'essentiel, les nouveaux historiens israéliens, même quand ensuite, comme Benny Morris, ils ont mal évolué politiquement, dans leurs travaux historiques, ils confortent pour l'essentiel les thèses des historiens arabes et palestiniens. Ce sont aussi les nouveaux sociologues, dont on parle beaucoup moins, mais un homme comme Baruch Kimmerling ou un homme comme Shlomo Swirsky ont complètement révolutionné la sociologie traditionnelle, dominée par un sociologue qui s'appelait Eisenstadt, en mettant en lumière les contradictions de la société israélienne, entre juifs et arabes, entre ashkénazes et séfarades, entre toutes ces couches d'immigration successives qui constituent comme un millefeuille qui a beaucoup de mal à rester unie. J'ai appelé ça dans un article de reportage du Monde Diplomatique une mosaïque qui se défait. S'il n'y avait plus l'ennemi en face, on se demande qu'est-ce qui relierait encore
toutes ces catégories. Bref, vous avez aussi dans les arts, dans les beaux-arts, dans la littérature, dans le cinéma, cette expression qu'on pourrait appeler post-sioniste. Et au fond, que disent les post-sionistes ? Et j'en terminerai avec une citation, je crois, qui symbolise cela. Ils disent ce que Avi Shlaim, qui est sans doute un des meilleurs des nouveaux historiens, mais peu connu en France malheureusement, a dit dans un livre qui s'appelle « La muraille de fer », reprenant la thèse de Jabotinsky exprimée en 1923 dans un article célèbre. Il dit au fond, depuis 1923, nous vivons avec l'idée que la seule chose qui compte face aux Palestiniens et aux Arabes, c'est la force. Muraille de fer, c'est pas le mur, évidemment, c'est la force militaire qui imposera notre existence comme État juif. Une fois qu'elle sera imposée, on pourra négocier. C'est ce que dit Jabotinsky dans toutes lettres. D'ailleurs, d'une certaine manière, je veux le dire parce que c'est paradoxal, Jabotinsky est infiniment moins raciste que ne l'est Ben-Gourion. Ben-Gourion passe son temps dans ses textes et ses journaux à dire « Les Arabes ne comprennent pas grand-chose, on va les rouler ». Jabotinsky, dès ce texte de 23, dit « Les Arabes, d'ailleurs il dit, ne sont pas une ville populace, c'est un peuple fier et il ne se résignera pas tant que subsistera la moindre chance de nous battre. C'est pour ça qu'il faut la muraille de fer. » Il faut bien constater, avec la guerre du Liban de 2006, avec ce qui se passe aujourd'hui dans les rapports de force, y compris militaires, avec, thème de débat, mais l'isolement diplomatique d'Israël, le fait que dans les opinions, y compris occidentales, les Israéliens ont de plus en plus de mal, sans parler de la France, où le CRIF s'isole de bavure en bavure, si j'ose dire, cette année 2011 ayant été particulièrement riche de l'interdiction du débat SL à l'école normale supérieure jusqu'au dernier commentaire sur l'accord entre les Verts et le PS, en passant par la bataille perdue par le CRIF contre un œil sur la planète, et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout cela fait qu'une bonne partie, pas majoritaire certainement, mais pas marginale non plus, de l'opinion et de l'establishment israélien se pose la question de savoir s'il n'est pas temps de passer, pour aller vite, de la politique de la force à la force de la politique, et d'entrer dans un autre rapport avec les Palestiniens et avec le monde arabe. Encore une fois, c'est un courant marginal, c'est un courant minoritaire, pardon, mais pas marginal. Quel est, pour résumer, je terminerai là-dessus, la synthèse de la pensée post-sioniste, c'est ce que Avraham Burg a écrit dans un texte qui date maintenant de plusieurs années. J'ai perdu une feuille et je m'en excuse, là voilà. Vous savez qu'Avraham Burg a été président de la Knesset, il a été président de l'Organisation sioniste mondiale, et dans un texte de 2003, mais qui est la base sur laquelle il continue avec d'autres à travailler, il dit la chose suivante. La fin de l'aventure sioniste est à notre porte. Oui, il est devenu probable que notre génération soit la dernière du sionisme. Après elle, il restera ici un État juif méconnaissable et haïssable. Le mal dont souffre Israël, je résume, disait Burg, c'est l'occupation. Cela ne peut pas durer. Même si les Arabes courbaient la tête, même s'ils avalaient leur humiliation, le moment viendra où rien ne marchera plus. Tout édifice bâti sur l'insensibilité à la souffrance d'autrui est appelé à s'effondrer avec fracas. Parce que nous restons indifférents à la souffrance des femmes arabes retenues au barrage routier, nous n'entendons plus la plainte des femmes battues derrière la porte voisine de notre demeure. Indifférents au sort des enfants palestiniens, pourquoi sommes-nous surpris de les retrouver un rictus de haine à la bouche, se faisant exploser en martyr d'Allah? Même si on tuait 1000 terroristes par jour, rien ne changerait. Aussi longtemps qu'un Israël arrogant,
terrorisé et insensible à soi-même et à autrui, fera face à une Palestine humiliée et désespérée, nous ne pourrons pas nous maintenir. L'alternative, concluait Bourg, c'est une prise de position radicale, le blanc ou le noir. Voici les composantes de l'option sioniste authentique. Une frontière incontestée au centimètre près, un plan social global pour guérir la société israélienne de son insensibilité et de son absence de solidarité, et la mise au ban du personnel politique corrompu aujourd'hui au pouvoir. Il faut une alternative d'espérance à la mise en ruine du sionisme et de ses valeurs. Alors on pourrait dire abstraction, belles paroles, intellectuel isolé. Sauf que, comme vous l'avez vu cet été, 400 000 Israéliens ont défilé dans les rues. Ils n'ont pas défilé contre le sionisme, ils n'ont pas défilé pour la Palestine, mais ils ont défilé contre une politique globale dont très vite ils n'ont pas ignoré qu'il ne s'agissait pas que du prix du fromage ou du prix des logements, mais de la logique même d'une politique qui privilégie l'occupation et la colonisation et sacrifie les besoins les plus fondamentaux de la société israélienne. Et cette prise de conscience-là, quelle que soit la longueur du chemin qui l'amènera plus loin, elle a, pour la première fois, pour ce qui est mon expérience de journaliste et d'historien travaillant, allant souvent en Israël, elle a pour la première fois dans l'histoire du mouvement social israélien, établit un lien entre la paix avec la Palestine et le changement de la société israélienne elle-même. Et je dois dire qu'un mouvement qui n'a pas une grande importance politique dans le champ politique, comme Tarabout, mouvement créé par des intellectuels et des cadres ouvriers de syndicats sauvages, un peu comme il s'en était créé en France à une certaine période, est en train de donner vie à ce lien. Et on sait bien, dans l'histoire de la France, par exemple, et sa capacité à se frayer un débouché politique, il peut se passer du temps, et ça n'est pas un chemin facile. Je vous remercie de votre attention.